Aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Opera GX, un navigateur internet pour les gamers. Et tu vas très vite comprendre pourquoi. Là, on est sur l'accueil pour la barre de recherche Google. Donc là, oui, tu peux voir l'interface, elle est giga clean. On a Nico en animé en fond et ils m'ont très très bien eu parce que c'était dans la front page des mieux notés des fonds d'écran pour le navigateur internet. Donc GG à vous, vous avez une très bonne communauté les gars. Je vous montre les fonds. Je vous montre les fonds parce qu'en fait, je trouve ça juste trop stylé. Là, t'as vraiment un fond animé d'un train sur l'eau avec le coucher de soleil. Je trouve ça insane. C'est un navigateur du coup fait par les gamers pour optimiser tes FPS, ta connexion, ton CPU, etc. Ça va te donner pas mal d'informations. Tu peux limiter ta bande passante pour quand tu joues. Ça peut être super intéressant dépendamment de la connexion que tu as. Donc ça, c'est très pratique. Et si tu fais partie des gens qui ont beaucoup trop d'onglets, tu vas pouvoir justement les gérer ici pour voir combien ils prennent sur ton CPU ou au niveau des RAM. Et ça, c'est super pratique quand tu fais partie des gens qui ont peut-être trop d'onglets tout le temps. Et hop, avec un simple clic, tu vas pouvoir enlever ce qui te pose problème en termes d'onglets. T'as plein de trucs de raccourcis très rapides, par exemple pour aller sur Twitter, sur Discord, sur WhatsApp, Messenger, sur Twitch, sur Spotify. Tu peux aller sur, bon évidemment, tes paramètres, tu as tous les onglets évidemment des sites où tu vas le plus souvent. Et ça, tu peux le mettre, c'est tes trucs de favoris tout simplement. Donc ça, c'est très très pratique. Mais tu as aussi une page d'accueil pour les gamers, pour les sorties de jeu. Et ça par contre, ça m'a vraiment séduit. Ça va te donner vraiment la sortie des jeux qui vont sortir. T'as par exemple Edge of Empire qui va sortir le 4, en tout cas le 28 octobre. J'en avais aucune idée, je savais même pas quand il sortait ce jeu. Et du coup, c'est cool, je vais pouvoir regarder peut-être du gameplay sur Twitch. T'as Riders Republic qui est gratuit ce week-end, t'as l'onglet Free Game, donc ça c'est vraiment pratique. Quand t'es jeune ou que t'as envie de tester de nouveaux jeux, je trouve ça vraiment trop cool. Donc, vous voyez l'interface, elle est vraiment giga stylée. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Je vais quand même remettre Nico parce qu'il était vraiment très très... Il est vraiment trop beau en vrai. Il est vraiment très très joli. Et pourtant, ça m'a été... je suis difficile normalement sur les navigateurs internet, mais lui clairement, il m'a bien eu. Et du coup, si vous voulez télécharger, c'est complètement gratuit. C'est dans la description de la vidéo. Donc, have fun, amusez-vous bien. Et dites-moi si vous avez trouvé votre champion sur League of Legends, ça peut être rigolo. Si vous l'avez en animé, en tout cas. Des bisous et bonne vidéo. Opera GX est aussi sur téléphone. Tu trouveras l'interface plus ou moins similaire, avec des options très intéressantes et faciles d'utilisation. Ok, on arrête de... Oula, ok, on arrête de s'ambiancer. Salut à tous, si vous connaissez, bienvenue. Bienvenue dans cette game... chaotique. Vous allez comprendre ce que c'est de jouer Nunu et vous allez comprendre pourquoi. C'est marrant. Oh putain, j'ai failli ne plus avoir le bonus de speed. Attention, on va juste dire bonjour aux gens. Personne. Ok. Oh, c'est juste pour dire bonjour ça. Ok, bienvenue sur cette vidéo qui sera plus longue que d'habitude. Parce que les gens... Mais pourquoi tu fais pas vidéo depuis 30 secondes? Mais pourquoi cette vidéo elle dure aussi peu de temps? Pourquoi? Parce que ce jeu pue la merde. Voilà, en fait c'est tout. Non, j'allais partir sur une explication un peu plus longue, mais non. Non mais écoutez, vous voulez une vidéo longue, vous allez comprendre pourquoi les vidéos longues c'est de la merde dans League of Legends, parce que 90% des games, elles ne sont pas montrables. Est-ce que là tu crois, vraiment, qu'on va rigoler contre Yumi Kassadin Fiora Ezreal? Non, non, il n'y a pas... Le fun n'est pas permis. Cette game, je devrais la dodge, mais vous savez quoi, on va la vivre ensemble cette game. Et vous êtes en mode, ah, et peut-être qu'il va se passer un truc drôle dans la game. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer s'il y a un truc drôle? Ça me fait une vidéo de 30 secondes. Est-ce que ça va valoir le coup que je vous montre mon 1-12? On va finir en 1-12 dans la game, minimum. Est-ce que c'est intéressant? Moi, je pense pas trop. Alors, t'aurais pu mettre le mode canon, ça aurait été cool. Donc, tu fais ça sur la première wave. Tu les one-shot pas avec normalement la paix que tu as, donc t'inquiète pas. Oh ouais, d'accord. Oh oui. On est là en counter-gank. Je suis là en counter-gank. Ah merde. Ah, c'est gênant. Ah, ils m'ont bien sa step. Non mais c'est pas possible. Non là c'est une blague. Non Poppy t'as hitbox, c'est... Non t'as hitbox, c'est une Xbox. C'est plus possible là. J'ai le red buff hein. GG ça. Non mais alors...
j'ai fait exprès de rater mes W, comme ça ils pensent que je suis vraiment nul. Et ça passe et ça a marché. Mais ça, ne faites pas ça chez vous, ça marche quand même assez rarement. Boum. Juste prendre le canon, on va push ça. Je vous ai prévenu, ça va être une game chaotique. De toute façon, là, on a quoi? Allez, on a encore 8 minutes, on peut s'amuser. Après, la game est finie. Là, on s'amuse 8 minutes, après, c'est fini. Parce que, bah, il y a Kassadin, Fiora, Yumi. Yumi, voilà, elle va se barrer. Oh, bah, attends. Ok, la Jinx se barre. Moi, j'en ai besoin pour mes bots, en fait. Comme ça, la Poppy, elle a pas... Poppy, elle a... Je suis un peu deck. Il me manque un peu, là. Y a pas une wave canon, là, qui arrive? Y'a qu'à demander, mon gars. Je veux juste le boost. Je veux juste le canon en vrai. Hein. En vrai, si on peut avoir plus qu'un canon, genre un kill, ça me va. Ah merde! Ah bah merde. Non, je l'ai pas. Ah si, je vais l'avoir. Non, je l'ai pas. Non, désolé. Bon, allez, je me barre. Je vais te mettre une petite ward en mon casson. Alors oui, il y a des écoles, il y en a qui jouent Predator et tout. Moi, je préfère Dark Harvest. Voilà, vous jouez comme vous voulez. De toute façon, Nunu, plus tu fais de la merde, mieux c'est. Genre, si tu finis pas la game en 2-12, t'as fait une mauvaise game de Nunu. Oh, il est encore niveau 4. Oh, j'ai eu le boost de vitesse juste avant de partir. Ok, c'est chiant. Non, Poppy, casse-toi. Ouais. Counter gank, les mecs, counter gank, tranquille. Ouh, je le sens bien. Ouh, je le sens bien là. Bam. Bam. Non. Allez, Yumi, reviens pas dedans. Ne le heal pas. Fais quoi, Poppy? Mais tu t'es pris pour qui là? Non, mais c'est pas possible! Allez, route. Non, ça va à un moment donné, on se fout de ma gueule une fois, deux fois, dix fois, c'est bien chiant en vrai. Tu peux me laisser prendre un truc, merci? Putain, il avait un point de vie, Ezreal. Genre, je regarde le replay, s'il a pas un point de vie, vas-y, je fais rien, mais je... Non! Le top, il a l'air de bien s'amuser. En même temps, tu joues Camille, tu mérites, tu vois. Fura, Camille, c'est la même chose, les mecs. Même catégorie. T'es juste moins bon, c'est pas grave. Ok, en vrai, tu fais peut-être contrer. Ah, ça lag ou... Il y a eu un petit lag, apparemment. Ouf. Ça, c'est une invitation au kill, ça. Ça, c'est une invitation au kill. On va dans River pour avoir plus de vitesse. Oh oui, 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 ça je connais, ça. J'aurais peut-être dû le prendre par derrière, d'ailleurs. Non, mais c'est pas possible. Trop bien, elle m'a pas focus. Oh, let's go. Je suis un peu désolé. Je suis niveau 4, quoi. Et pas de cooldown, je suis... Voilà. Écoute. Est-ce qu'il y avait besoin de s'énerver, Udyr? Est-ce qu'il y avait besoin de s'énerver? FFS, GoBot, EnsteinBot, dude. Mais je suis nunu. Je suis sur 100% décapé et on me casse les couilles. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais ça, je ressens un petit peu le seum. Odeur de seum. Je sais pas s'il y a encore une ward. Bam. Bam. 100% de kill participation. Alors, oui, pour ceux, encore une fois, qui connaissent pas League of Legends et qui pensent qu'on va gagner, non, hein, y a Fura, Yumi, Kassadin, c'est... Là, on a pris du plaisir. Je cut la vidéo maintenant, je mets genre défaite. Et on est bon, quoi.
ça m'a fait plaisir. Je te prends juste ça, hop. On est là au cas où. Ah, du coup on est plus là au cas où. Je sais pas, y'en a un qui est un peu FK quoi. Enfin, il a toujours fait un peu trop de dégâts, Riot Games. 971. J'ai peut-être mal joué. Oui, peut-être. Ok, mon shutdown. C'est Poppy, j'espère. C'est Cassadan, on est dans... Merde, c'est Cassadan. Oh, shit. Can we not fight when I want to clear? Chapeau, chapeau. Attends, mais la botlane en 0-4. Trop bien. Ils sont où, d'ailleurs? Bonjour. Vous êtes fou. Oh putain, vous êtes là. Non. Merci. Boum. Eh oui, tu savais pas ça. Skyrocket. Eh oui, tu peux pas vraiment... Il faut vraiment être derrière la tour, mais... Plus que derrière, parce que juste derrière ça suffit pas. Oh putain. Oh putain. Non, putain. Non, c'est abusé ça. Ah, t'es pas morte? Putain, trop stylé. Non, parce que du coup, elle a E sur toi et du coup, ah, c'est chiant un peu quand même. Mais ça passe. Ah, on est plus sur 100% des kill participation. Alors là, ça, ce qu'on a fait à la botlane, ça ne sert à rien normalement. Hein. La Yumi. Qu'elle gagne ou qu'elle perde sa lane, un peu battage de couilles. Je vais juste croquer, c'est gratuit. Ah voilà, voilà, là c'est bon. Alors, 14 minutes, c'est bon. Yumi a compris qu'il fallait être sur le jungler. C'est fini. Hop, petit croc. J'ai pas d'ignite pour la Poppy. Ah oui, il faut faire un effort. Bah oui, ça marche plus. Ah ouais, Yumi Kassadin, ça va être bien drôle aussi, je pense. Ouais, mais j'aimerais au moins Kassadin, peut-être. Bonjour. Non, mais il y a Yumi, en fait, c'est... Tu pourras pas le tuer. Ouais, non. Ouais. La game est finie. C'était la première fois que je ne bannissais pas Yumi. D'ailleurs, en passant, je voulais... Parce que Yumi, tu vois, on allait pouvoir jouer au début. Parce que... Lulu, j'allais me faire polymorphe avec Nunu et au début, c'était chiant. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé les 13 premières minutes de la game. Maintenant, ça va être différent. Maintenant, on va s'amuser, mais d'une autre façon. On va s'amuser avec un écran en noir et blanc. Je vais essayer de prendre de l'anti-heal, même si je pense que ça ne sert à rien. Ah. Début du cauchemar commence pour mon ADC. Ah bah League of Legends, évidemment, il faut les petites barrières. Il faut les petites barrières pour les gens qui ont du mal au bowling, sinon les gens ne jouent pas au bowling. Bah c'est comme dans League of Legends. Si tu ne mets pas Yumi, Kassadin, le rôle de jungler, les gens arrêtent de jouer à LoL. Non, ça ne marche pas. Merde. Ah, attention, ne venez pas. Wouh. Alors, malheureusement, la comparaison du bowling, c'est même si... Alors, quelqu'un de très bon va gagner contre quelqu'un qui a même les barrières. Mais en fait, c'est comme si tout le monde était nul au bowling et il y en a qui avaient des barrières. Écoute, on est un peu comme leurs parents, on les regarde jouer, on est content, ils gagnent, et on est comme bravo, c'est bien gamin. 11-2-5, c'est pas dégueu. Ah, mais la Yumi MVP. La Yumi MVP, très très fort. Non, ils sont vraiment très très bons. Bon, en fait, dans tous les cas, je sers à rien. Ouais. Ah merde. Ah oui. Ou la game est déjà finie là, c'est bon. Comment jouer contre ça? Mais... Mais est-ce que vous êtes nouveau dans le jeu pour comprendre que Yumi, Kassadin, Fiora, c'est pas gagnable? Ah, même si j'avais joué Lulu, on perdait en fait. Ah, Kassadin il one shot, donc Yumi, personne peut la one shot, on peut pas la viser. C'est pour ça que je banne Yumi normalement, mais là je me suis dit vas-y, j'ai envie de m'amuser un petit peu là, ça va être vachement drôle là. Hop, et là t'es fucked. Et hop, 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 hop.
Hop. Hop. Ah ouais, tu te permets de faire ça quand même. Pas dégueu, pas dégueu. Et ben vous penserez à moi. Et ça me fera plaisir. Non, non, tu soignes pas ça toi. À l'aide. Courir vite. Ah ouais. Excuse-nous. Mais putain, elle est trop forte la Yumi. Le mec a trop le seum. On est quand même dans un monde. Je suis en normal game niveau 29. Les gens me disent pourquoi on a un niveau 29. Et je me fais flame par mon pick. Je fais un début de game correct. Et je me fais flame parce que je ne joue pas la méta. J'adore. Mais non, je comprends. C'est moi ou t'as pas de problème de mana genre. C'est complètement débile. Non mais la game est grave cool quoi. Vas-y, on arrive. On est là. Ah, je crois que j'ai raté mon W, je me suis pas sûr. Pas dégueu. Me demandez pas d'y aller, je me fais one shot, ok? Mais comment t'es trop fort? Oh, il est trop fort le Kassadin. I'm so glad our Nunu is AP. I said nobody ever in ever. Non mais je suis désolé hein. Bon ce compte là je parle pas, j'écris plus les gens hein. Et je suis désolé d'avoir joué autre chose qu'un enchanteur les gars, je suis vraiment désolé quoi. Je me sens mal tu vois, c'est normal game, je suis niveau 29. J'aurais dû la tryhard. Du coup en vrai cette vidéo ça va être cool parce que comme ça vous allez comprendre un pourquoi j'aime pas le Wello. Parce que bon bah c'est que de la draft. Soit tu joues des champions OP. Si j'étais un joueur de Yumi, Lulu, je joue toutes les games, je dodge aucune game et on est tous challenger. Mais c'est parce que ces champions ne m'amusent pas, malheureusement. Je suis désolé les gars. Je joue pas la méta. Je suis désolé. Ah, alors peut-être. Ah c'est plus simple quand il y a pas une Lulu putain. Eh mais c'est jouable sans Lulu. Vous avez essayé de désinstaller Lulu pour voir ce que ça donnait. Ça aurait pu être drôle. Let's go. Ah. Ah il est vraiment bon putain. 35. Mais je suis sûr que c'est pas le champion. Je suis sûr le mec il est juste trop chaud genre. Il faut que j'arrête le second degré. On va vraiment croire que je suis salé et tout. Alors que le jeu, tu peux dodge. T'attends juste 12 heures et tu rejoues après. En vrai, normal que tout le monde joue la méta, tu peux pas jouer autre chose que la non-méta, si... Bah, à Wello en tout cas, je veux dire. Si tu joues pas la méta, tu te fais flemme par ton équipe. En tout cas, j'espère que vous appréciez vraiment la vidéo. Je vais sur lui alors que ça sert à rien, mais je m'en fous. Hein? Ils ont réussi à tuer Kassadin. Ah oui, c'était du 3v5, ok d'accord. Ah oui, ils font. J'étais comme. Il y a une couille quelque part là parce que. Tu me rattraperas jamais. Ah merde, c'était pas pour moi en fait. Ouais, sauf que. Alors, j'ai essayé de faire la plante et il y a eu le W de Poppy, ok? Je suis désolé. Arrêtez de me haïr comme ça. Ah là là. Why wasn't Nunu just helping with Drake? Je le déteste. Je veux qu'il meure. Oh bordel. Ah ah, tu vas mourir. Ah non, tu meurs pas.
Mais je suis content que le système de dodge, ça te permet de... I want to see Nunu cry over William dead body. D'accord. C'était une normal game, Udyr. Juste. Voilà, t'étais pas en ranked. Au cas où. Ah, je suis niveau 30. Let's go. Bah, j'espère que vous avez aimé la vidéo. C'était une game beaucoup plus longue. Vous voyez l'état du jeu. J'espère que vous aimez bien. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Des bisous.